Marababa. Amara, quand tu étais dans la maison centrale pour la nation guinéenne, Dadis t'avait libéré. Tu t'es retourné. C'est à moi, feu colonel Ousmane Conté Alayarham, il a dit, ma soeur, on a notre petit frère ici. Quel petit frère? Avec vous dans la maison centrale. Il dit, c'est le fils de Papa Diarra. Mais mon avocat sera là demain. Je vais le dire. J'ai dit jusque-là, Amara est là. L'autre fois, c'est à cause d'Amara que moi, je suis allée parler devant la Maison Blanche. Les trois personnes qu'ils ont pris pour faire rentrer, parler dans la Maison Blanche, c'était moi. J'ai été la première personne parmi les manifestants. Amara Ingrat, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi, je suis une femme que tu dois respecter. Amara, colonel Amara Camara. Colonel Amara Camara, Ingrat, fi Kuluntari. Ce que Mamadi ne connaît pas de toi, aujourd'hui, ton procès est ouvert. Je t'ai pas dit, depuis fort longtemps, avant, on ne savait même pas que le procès-là sera ouvert en Guinée. Le procès de vengeance là, j'ai dit Amara arrête. En ce moment là même, je prononçais ton nom Famara. Arrête, tu es un petit frère, arrête ce que tu fais. Je t'ai maintes fois conseillé. Parce que je sais, je suis une personne, quand je commence, je n'arrête pas. Sauf votre départ. Tu m'as provoqué. Je t'ai maintes fois dit d'arrêter. Moi, je ne viens pas d'une sale famille. Je ne suis pas une femme de rue. Les gens qui parlent de moi comme ça ne me connaissent pas. Amara, toi-même, tu ne me connais pas. Mais tu vas me connaître maintenant. Yanfanté, avant qu'on enlève Malik Sanko à la Caisse nationale, tu es allé à la Caisse nationale à 18h, tu t'es fait malade. Tu es allé à la Caisse nationale. Ton ami que tu as mis à Kindia là-bas, directeur général de l'hôpital régional de Kindia, Conaré, le Malien qui travaillait à la Caisse nationale, à l'hôpital là-bas, le médecin, tu es parti là-bas. Tu t'es fait malade ce jour-là, de 18h à 21h. Il t'a donné tout le dossier que tu voulais de Malik Sanko. Tu as quitté. Quand tu as quitté, ça a pris combien de temps, Amara? Tu as fait nommer ce gars-là à Kindia comme directeur général régional de Kindia Hôpital. Conaré, qui a sa maman Soussou, qui a sa mère guinéenne, lui il est malien. Oui, c'est pas lui qui achète toutes tes maisons au Mali et au Burkina. Ta famille est convoquée. Le gouvernement canadien a convoqué ta famille de leur présenter. Amara, tu t'amuses à moi. Tu ne peux pas t'amuser à moi. Quand tu as quitté ce jour-là, Conaré t'a donné tous les renseignements que tu cherchais derrière Malik Sanko. Dès que tu as quitté là-bas, ça a pris combien de temps? Tu as fait nommer Conaré d'abord, avant qu'on enlève le gars que tu as mis là-bas comme ça, comme directeur général à la caisse. Amara, est-ce que colonel Mamadi connaît? Chaque fin du mois, il te donne le quota. Partout où tu as nommé tes gens, chaque fin du mois, ils te déposent leur quota. Tu connais, non? Tu me connais, Amara? Tu ne me connais pas? Toi, tu es un frère à moi. Tu te fous de moi. Amara, sous l'ambassade, tu as affaire avec moi.
tu vas retourner tes chiens là dans le garage. Pas dans le cage. Tu vas le renfermer encore dans ton garage. Parce que tout ce qui est caché de toi sera exposé maintenant. On a commencé. C'est la première balle que je te jette aujourd'hui. Que je te jette aujourd'hui. Mamadi connaît ça. Mamadi ne connaît pas ça. Mamadi ne connaît pas ce que tu as fait derrière lui. La manigance d'argent que tu as fait derrière Mamadi. Tu es flanqué là-bas au petit palais. Alors là, tu ne dors pas dans ta maison, tu dors là-bas. Amara, moi, je vous regarde comme ça, comme la télé guinéenne. Moi, ce c'est la masse. Moi, ce c'est la masse. Regarde mon corps. Moi, je ne suis pas une femme hein, qui est abandonnée. Même la vergeture, vous ne voyez pas sur mon corps. Je suis naturelle. Quand je sors, il y a une femme, on n'est plus d'accord, qui disait même, ah, toi, tu n'aimes que le brillant. Maintenant, je mets rouge à lèvres, juste seulement, pour embellir. Je ne fais pas embellir mon fils et mon visage pour venir convaincre quiconque sur Facebook. Je suis une femme noble. Moi, je viens passer mes messages à la nation guinéenne. Je n'insulte pas, je suis bien éduquée. Personne ne m'a entendu insulter ici. Je viens d'une noble famille, je n'insulte pas. On m'insulte ici, mais vous m'entendez insulter. Vous m'entendez insulter. Moi, je suis une femme noble. Ceci, là, c'est l'ambassade. Nga, mbaba, nguliyat mosumbuwe. Atinse, tingrinke, nanamfati. Amara. Itamogine, amara, maramasono. Inabouri, konari. Isga, caisse nationale. 18h. Ici, yata furari, sana. Konare, malik, sankwanga, dossier, bilinamini. Atunga so yimu ki lan lo fu 21h iwa ma dossier na ki ko mamalika hambira na ri fa ga wu to tungwe sa mati un fa ma bi ya badi ige nanana ina ka siga na ko yeba wona ka siga wona sa ko na ri nomé directeur général de l'hôpital régional de Kindia no ko na ri c'est pas lui même qui travaille là bas un frère Paul qui est son adjoint qui fait le boulot. S'il fait 5 jours à Conakry, il est à l'extérieur. C'est lui qui achète tes maisons pour toi au Mali, au Canada. Ton argent, la manière dont ton argent, la transaction se fasse, tu veux que je t'explique? Amara, c'est mon petit frère qui me parlait de te laisser. J'ai dit, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Moi, je n'insulte pas. Je suis une femme noble. Je lis le Coran. Je n'insulte pas. Mais quand je m'arrête contre quelqu'un, tant que je ne te piétine pas par ma bouche là, je ne recule pas. Les gens qui insultent là, moi, je ne fais pas ça. Parce que je lis le Coran. Et puis, mon âge a dépassé ça. Amara, c'est à toi que j'ai défendu ici, à la maison, devant la maison blanche. Tu parles à qui, Amara? J'ai fait ça pour la relation qui fut entre ton papa et feu général Lansana Conté, feu président général Lansana Conté. Allah yarham. Yo. Une maison blanche, ni défendue. Dadis Ramisou, je t'ai maintes fois dit, c'est pas Dadis qui t'a arrêté. Arrête de faire la vengeance contre Dadis. C'est Serouba Konaté qui t'a arrêté. C'est Serouba Konaté qui a arrêté Ousmane Konté. Alayaram, c'est Serouba Konaté qui a arrêté Papa Diara. Il s'est caché derrière Dadis. Dadis que tu combats aujourd'hui, Dadis que tu veux éliminer aujourd'hui, comment
Tu as éliminé feu Lousséni Camara, que je ne te pardonnerai jamais tant que je vis à Mara. Lousséni était à l'hôpital. Lousséni avait une maladie de sommeil, raison pour laquelle il a même fait l'accident un jour. Quand on lui demande, Lousséni se présente à la CRIEF. Ça t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. Son état maladif, ce que tu as fait pour couper la respiration de Lousséni et faire le chantage que c'est Damaro qui a tué, ex-président de l'Assemblée qui a tué Lousséni, je suis venu, j'ai fait arrêter sa femme. D'arrêter la parole. Ce n'est pas président Amadou Damaro Camara qui a tué Lousséni. C'est toi, Amara. Moi, je ne pardonne personne. Je ne pardonne personne. Tu me vois aujourd'hui face à Serouba. Tu me vois aujourd'hui face à Serouba. La seule sœur que Serouba a eue dans sa vie, de même mère, de même lait. Ça, c'est Feu Delphine. Dans son âme. C'est Feu Delphine qu'on a dit. Donc, ce Serouba-là, c'est pas ici que j'ai connu Serouba. Quand je le tape, je le taperai fort. C'est pas Dadis qui t'a arrêté. C'est pas Dadis qui a arrêté Papa Diara Camara. C'est Serouba, général Serouba Camara. C'est Serouba qu'on a dit qui a arrêté. Toi, Amara, et ton papa. Je t'ai maintes fois dit que je répète dans mes vidéos à chaque fois si je me rappelle de vous. Tu étais à la maison centrale. Pour les gens même, on t'a libéré, tu t'es retourné. C'est moi qui a parlé ton nom ici. Devant la maison centrale et la maison blanche, les trois personnes qui sont rentrées dedans, j'étais la première personne qui a parlé. Dire ton nom, dire le nom de ton papa. Ingrat Amara, Fissiru Wadi, Fikulun Tari, Ni Girifa Masinkanebe, Dadis Khamisou. Dadis Khamisou, tout le problème qu'on a aujourd'hui, tu fais partir. Toi et Idi Amin, Mouktar Kaba Spartacus, vous avez piétiné le pouvoir de Mamadi. Mamadi n'est jamais tombé amour du pouvoir. C'est le pouvoir qui est tombé amoureux de Mamadi Doumbouya. Que je répète dans mes vidéos à chaque fois. La création de CNRD sort ici aux États-Unis. Où est-ce que c'est une rana? Au CNRD créé qui colo? Où m'a créé qui colo? Où m'a créé? C'est un air de Kilkbini, Amérique B. Nanan nahe ou be ou koudi tana kanaba kamena ou vidou sa. Oma sana moutani. Et monsieur Falama, Amara, ou era dossier. Mbari tumoutou. Ou mbara soukoum. Nta maïd gobela fay. Gi. Gi mou yolo mahedi. Mais Amara, ni branché tout. Il m'a chargé de rancer NRD qui est ma Il m'a branché ma tanière à son nom. Il m'a branché tout. Il m'a branché ma son nom. Il m'a branché ma son nom. Dengane ana ma mi kam qur'an rabbi man tambe da khara nta na rabbi man yitara na khara kamene da siga ki ka bangle kwi mi se le si flankiri petit palais kwi mana ni mato ma menne kweno yanyi e mu se fala man tambe amara e mu se fala man tambe amara do fa fute fe nta na ma wadi ni ko lon ki dama mama di mi yuge na kam bilin kulun fa fa ya badi Ita nyamfante. Nde fari la fidro, Mamadi Fema. Qui t'a fixé, qui t'a branché
sur Mamadi Doumbouya. Où tu étais après le coup d'État? Où tu étais? Où tu étais après le coup d'État? Amara ingrat, colonel Amara Kamara ingrat, le fils de quartier. Où tu étais? Tu sais comment CNRD a été créé? Tu sais quel jour on a envoyé le discours de CNRD? Toi, tu viens te mettre dans le beurre. Et tu te fous de moi, Amara, le fils de Papa Diarra. Tu as affaire avec moi, Amara. On a commencé aujourd'hui. Le flambeau est déjà allumé aujourd'hui. Tout ça là, je m'amusais à toi. Je m'amusais à toi. Oui, mais maintenant là, je vais commencer à te taper parce que j'étais déjà branchée aujourd'hui. Moi, je n'insulte pas. Je ne viens pas d'une famille sale. Tu connais ma famille maintenant très bien. On t'a dit non. Voilà. On t'a dit non. Tu vas me connaître maintenant, Amara. Toutes tes maisons achetées là. Amara, tu vas le perdre. Tu vas tout perdre. C'est moi qui te le dis. La manière l'argent sort, tes transactions, la manière où ça, comment ça passe, tout sera éclairci. Tu t'amuses à moi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. La seule personne que j'ai accusée parmi vous, c'était Bala. Il fait des choses, je le connais. Mais la manière dont je l'ai accusé, je suis une femme croyante. Je suis sortie, j'ai présenté mes excuses à Bala. Parce que ce n'était pas Bala. Bala n'était qu'un un commissionnaire. C'est Mamadi qui était derrière Bala. Moi, je suis une femme croyante. Le point là où j'ai accusé Bala, j'ai présenté mes excuses à Bala pendant le mois de carême. Mais toi, tu as allumé le flambeau là-bas. Aujourd'hui, Sossé Lambassi a allumé le flambeau de colonel Amara Kamara. Toi qui viens de naître tout de suite à Bonfi là-bas. Amara, tu as affaire avec ce Guinée Lambassi, Bouramaya de Guinée, Ontanara. Comment est-ce que tu es? N'a pas le béra à l'eau. Dadi se met sur Dadi se met Babasco. Kamari la rapapa yaraka giri sontana soma. Mais mon giri soma tonye gefari. Serouba ni sko, Serouba ni Babasco. Serouba n'amman itongo. Général Serouba même. Qui t'a branché sur Mamadi aussi pour déchirer la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Avant, tu étais dans le coup d'État pour renverser Mamadi Doumbouya, toi et Idi Amin. Maintenant, tu as eu de l'argent, tu t'es débranché de Idi Amin, tu as ton clan. Oui. Et maintenant, Serouba Konaté aussi et Sadiba ont formé un clan. Voilà les quatre. L'autre là. L'autre fois, j'ai conseillé le frère de mon ami, Aboulé Keita Darité. Je pense que lui va m'écouter. Mais toi, je vais te taper très bien maintenant, Amara. Tu as affaire avec moi. Je ne te laisserai jamais plus maintenant. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, Amara. Et mon colo. Allez, mon tante, ma rano. Nga kombi mon tante, ma Facebook, ma kombi mon tante, ma Facebook, ma. Nga mon matima. Kono ran singera. Na singera, kale ou libili ni la. Fou ni sanke tala. Mi san on se regi la madi, ni sanke nan talama. Mbara gera mfafi. Charles Wright. Charles Wright.
L'autre fois, tu as parlé, tu as donné tes quatre vérités à ce Amara bénévole. D'enlever sa bouche dans les oreilles des juges du procès le 28 septembre, l'an 2009. Mais ce que je vais te dire, j'ai apprécié ça. Mais, procureur Charles Wright, arrête ta pagaille maintenant. Ta pagaille dépasse la limite maintenant. Un ministre, comme toi, tu n'es plus procureur. Un ministre ne doit pas s'immiscer dans une procédure judiciaire. Ça, c'est le rôle d'un procureur. Ou tu nous dis, Charles Wright, tu es ministre, ou encore tu es le procureur jusque-là. Le cas de Saïkou Yaya. Tu n'as aucun droit à médiatiser. Tu n'as aucun droit à parler de ça. Tu n'es plus, tu fais partie de l'exécutif. Intellectuel, une femme illettrée en France, en français, qui vous met sur les rails, Charles Wright. Ça, c'est le devoir du procureur Conti. Tu es dans l'exécutif maintenant. Ça, ce n'est plus ton travail. Toi, Charles Wright, je te mets à ta place. Quand tu fais du bon rôle, je dis. Mais quand tu dérailles, je viens, je le dis. Pour vous montrer que moi, je suis une femme, une citoyenne qui a l'amour de son pays. Raison pour laquelle je vous dis, même si c'est mon grand frère qui vient au pouvoir, en Guinée, moi je ne rentre pas dans la fonction publique. Ça va se passer devant vous. Parce que je ne prendrai pas le péché de mon pays. Je n'ai pas poussé mes études à ce que l'étude qui peut me pousser à rentrer dans la fonction publique. Je ne le ferai pas. Je peux rester sur le secteur privé. Mais dans le gouvernement, non. Je ne le ferai pas pour prendre le péché de mon pays. Pour vous dire jusque là où j'ai le sentiment de mon pays. Un intellectuel ne doit pas travailler comme ça, Charles Wright. Soit tu es ministre procureur, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité, Charles Wright. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité, tu n'as plus le droit de s'immisquer. Tu n'es plus procureur. Ou tu es encore jusque-là procureur, ministre. Dis-nous la vérité pour qu'on te colle la paix. Rien que ça. Maragénara. Serouba Konaté, général Serouba Konaté. Je reviens à vous encore. Mon frère Serouba Konaté, approchez-vous. Envoyez la vidéo là, ceux qui l'écoutent et ils regardent. Je veux vous poser une question. Est-ce que professeur Alpha Condé, c'est lui-même qui vous a donné votre grade général? Il faut me répondre ça. D'un, tu n'as pas eu le brevet. À plus forte raison, ton baccalauréat. C'est Robert Konaté. Non. Tu te surnommes El Tigre.
ceux qui t'ont fait effrayer El Tigre. Un El Tigre qui ne se transforme pas, sauf toi. Tu as pris le grade là. C'est pas professeur Alpha Condé qui t'a donné la grade générale. Tu as pris dans le tiroir toi-même. Tu as collé sur tes épaules. Général Samba Konaté, dépose-moi ton certificat. Papa, salam alaykoum. Alhamdoulilah. Dépose-moi ton certificat sur Facebook. Là où tu as fait l'école, l'état-major. Parce que tu n'as même pas eu le brevet. J'ai grandi sous tes yeux, dans le Kaloum. Serma Konaté. Oui. Tu as pris la grade générale dans le tiroir. Ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui t'a gradé. Tu as pris par toi-même. Dans le tiroir. En te donnant le surnom général Serma Konaté. Tu n'as même pas le brevet. Tu n'as même pas fait l'école, l'état-major. Comment tu as eu ce général? Comment Namour il a fait? Un capitaine qui se crébite. Il monte, il se couche la nuit en pyjama. Namour Traoré, il se réveille le matin, il a la grade collée sur lui. Vous prenez les grades comme ça, comme cadeau. Dadi, ça l'a fait, il n'a pas fait. Il est rentré dans le pouvoir, capitaine, il a quitté encore capitaine. Pour toi, tu as pris la grade générale. Ce n'est pas le professeur qui t'a terminé. Encore! La manière dont tu as trahi Moussa Dadis Camara, ex-président de la transition. Parce qu'il faut que les Guinéens fassent beaucoup attention. Toi, tu n'as pas été le président de la transition. Général Serouba Konaté, tu étais le président intérim. Quand tu buvais la bière rouge, écrivez-moi le nom là. Qui est dans le long bouteille là, comme le sang. Tu buvais ça avec Serouba. Toi, tu rentrais dans la toilette, prendre Vinto, tu bois ça, tu mets ça dans ta bouche, et puis tu sors, tu vomis. Dadis ne comprenait pas. Pour lui, tu as vomi le sang. Ton dernier voyage, c'était sur Libéria. Si Dadis se souvient, Général Serouba Konaté. Ton dernier voyage avant d'aller, c'est toi qui sortais, c'est toi qui faisais fly et vient. Dadis n'a jamais pris pied qu'on a créé son village. Quelqu'un n'a qu'à témoigner. Venez démentir ce que je dis. Quand Dadis est venu au pouvoir, est-ce qu'il a fait un déplacement à part de Conakry, l'Abbé? Il n'a jamais traversé même Kankan pour aller aux forêts. C'est toi qui faisais des va-et-vient. Quand vous avez manigancé 28 septembre là, c'est toi qui faisais. C'est toi, Général Serouba Konaté, qui est allé au Libéria négocier les éléments pour venir rentrer, toi, Papa Koli, et Gourès, Brema Kondé. Tu es allé au Libéria, si Serouba Dadis se souvient. Si Dadis se souvient, tu as fait le voyage là ou bien tu n'as pas fait. Même l'arrivée, avant de tirer sur Dadis, tu es venu devant Dadis, tu avais le vinto, jus vinto dans ta bouche, vomir ça devant lui, tu lui as dit que il pour moi il voit un canard. Dadis est relou, il risque un traitement. Il sera au Maroc, il sera à Beyrouth,
Outougué a bon fait quand vous avez préparé, quand vous étiez rassuré pour tirer sur Dadis, tu as pris ton vol pour aller à Beyrouth. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est Oba Konaté. Tu te termineras comme ça là, sous mes pieds. Moi-même, mon frère de même lait, pour mon pays là, la Guinée. Vous me voyez les fils de ceux qui ont gâté, qui sont parmi vous. Je ne leur pardonne pas. Vous tous, je ne pardonnerai personne. Moi, c'est l'amour de mon pays que j'ai. Mon combat aussi, c'est sans la distinction d'ethnie. Donc, c'est ça. Serba Konaté, c'est ce que vous avez préparé. Pourquoi Konaté, qui travaillait à la pharmacie centrale, qui ont détourné sous le régime du professeur Alpha Condé le médicament que les Occidentaux ont donné à la Guinée, le temps d'Ebola, celui qui a tout vendu, pourquoi lui ne passe pas à la CRIEF? Pourquoi? Pourquoi lui ne passe pas à la CRIEF? Je te pose la question. Pourquoi? Pour nous faire une mot en gamme, il y a des gens qui sont en train de Itanantima to ya fala mama di dumbu ya una wontenye mo so hara. Akita kri. Awo mo tana wonten so metan na. Wontenye mo tana so ma mo te kri ma wontenye na kana nanta na. Iman na tu dis encore que tu vas venir ici au département d'état. General Sekouba Konaté, tu mets ton pied à l'aéroport. Ni arrêté manena lo wala gina kabine to mana lo do mana gamma nta sobe inu gurbe lo ko lo nta na minute sa me ma aéroport et puis je vais autoriser la vidéo aussi pour montrer à la nation guinéenne qui je suis. Si tu es un homme, viens ici aux États-Unis. Je te lance le défi. Si tu es un homme, général Serba Konaté, descends à l'aéroport ici. Descends à l'aéroport. Mo tan dorné bi manifeste bi mo na matou ma mo ka téléphone na ko. Ina gouro bi nta na minute sa mema. Da guiné ki on koulou mana lo koy mari na kan. Anja wo mon koulou ngoy fi. E fa la fi ne fa ma bi. Memu no ma soudi Amérique bi. Écoute les kirek nebi mon nom Saudi bi mais qui fabi nta na minute sa même sa ba konati nta mo garanga la gine ne me bi ta nyala bi ni yanga ne ana masobe tu mama de akulu maya na kana CNR de ubi de akulu maya na kana gurubi avion to ngi gurubi comme la sa moderne lo wé Tangamou la Guinée élection organisée. J'ai dit dans une de mes vieilles vidéos, parce que la Guinée quand même ma fongan wuratu coup d'état rabat madadi sera le renaré avion de rang sous la Guinée atina 24 heures benu radadis bon dadis bon goulaire naré c'était 1h06 aux États-Unis ici en plein hiver. 17h06 en Guinée pour vous montrer aujourd'hui que moi je suis illettré en Guinée. Mais ici là, ma tête travaille ici. Mes frères. Dadis Bongouleur n'a rien yat. Ou un procureur 40 bidon n'a rien d'orna. C'était à 17h06. 13h06 aux États-Unis. Dadis, la tête de Dadis, a reçu la balle. Ça a dépassé ici.
à ce moment, tu as tout réglé avant d'aller au Beyrouth. Toi, c'est Rouba. Toi, c'est Rouba. Qui était à Conakry? C'est Guingiri. C'est Paul Guingiri, général Paul Guingiri, Burkinabé. Leur avion est atterri à l'aéroport 24 heures avant qu'on tire sur Dadis, Moussa Dadis Camara. Quand il a perdu sa maman encore, c'est le même Paul Guingiri, général Paul Guingiri, qui a accompagné Dadis. Ils ont passé par Libéria pour rentrer, assister à la funéraille de sa maman. Pour me provoquer, je vais ouvrir le dossier. Le procès là, c'est Amara qui a pris notre argent contribuable pour se venger sur Dadis innocemment. Ce n'est pas Dadis qui a atterri et arrêté Papa Diarra. Ton ennemi, je t'ai maintes fois dit, c'est Serouba Konaté. C'est Serouba Konaté qui a arrêté mon frère. Feu Ousmane Konaté. Allah yarham. C'est Serouba Konaté qui a arrêté Papa Diarra. C'est Serouba qui t'a arrêté. Je t'ai maintes fois dit de laisser Dadis Camara en paix. Charles Wright a compris ce que je dis. Il te dit d'enlever ta bouche dans les oreilles des juges, des magistrats. Il t'a dit non. Amara, il t'a dit. Et Mamadi appuie ça. Colonel Mamadi Doumbouya appuie ça. Vous avez mis Mamadi Doumbouya dans le problème. C'est pour cela que moi je ris sur vous. Je ris sur vous. Jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya, qui a sa tête vide, se laisse signer le papier par procureur Karim Khan. Il ne devrait pas le signer. Ça, c'était la signature là cherchée Charles White. Pas Mamadi Doumbouya. Pourquoi il a signé? Pourquoi il a signé? C'est là-bas. Il est tombé dans la piège. Donc, Serouba Konaté, raison pour laquelle, même quand on demande ce Kédo-là, Ousmane Gawal Kédo, Sané, qui a eu le nom Diallo à travers son homonyme, quand on le demande, il dit c'est la justice qui occupe de choses, la caisse de la justice Lionel Diallo. C'est pas la justice, c'est vous. Quelle justice? Montrez-nous la justice. Il faut fermer ta bouche là-bas. Ousmane Gawal Kédo Sané. Tu sais ce que je te dis, que c'est la réalité. Oui. Selou a pris quelque chose qui se ressemble à un cheval, mais que les sous-sous appellent Soufadi, qui devait apporter, faire le transport pour Selou Dalen Diallo. Alaï Selou Dalen Diallo. Mais il n'a pas compris, pour lui, c'est un cheval qu'il a, qui doit faire le qui doit transporter le bagage pour lui quand il aura besoin de quelque chose. Mais comme ce qu'on dit en Soussou, comme les Malinké le dit, Fali. Il a été trompé. Et je l'ai toujours dit, allez fouler une rame mima. Allah est celui de l'Angalo Kao. Couline à les fouler. Maman. Amato. Amato. Naba ouri nanto matou. Adore mène qui. Baouri, tu cherches quoi dans la salle là? Baouri, tu cherches quoi dans la salle? Tu cherches quoi dans la salle? Toi-même, tu dois être emprisonné. Parce que le jour qu'ils ont tapé, et là je sais le Dalen Diallo, tu étais au stade pour ça.
Mais Dieu n'a pas donné sa vie. Tu étais en pleine mission pour le terminer. Baouri, comme tu n'as pas vu, ça n'a pas marché. Tu es venu mélanger Alaïsélo Dalendialo et la Basquini en disant, si vous ne faites pas sortir, on ne va pas au deuxième jour et tout, on va vous affamer. Tu as fait ça pour quelque chose. Tu le connais que je connais. L'ennemi reste toujours derrière le rideau. Baouri, tu ne dois même pas être dans la salle de procès. Parce que tu sais, tu connais la manière et la mission que tu conduisais ce jour-là. C'était pour tuer l'Aïssélo Dalendialo. Tu connais. Comme ça n'a pas marché. Tu es venu prononcer, on va vous affamer. Pourquoi mon mode c'est Bori Touré, lui il ne passe pas la crière. Amadou Sebori Touré, pourquoi lui ne passe pas la crève? Je vous demande. J'ai écouté aujourd'hui les vocales et la voix de Serouba Konaté. J'ai écouté. Mais Serouba Konaté, nous allons nous occuper très bien. Ta sœur directe de Memblé, tu n'as eu qu'une seule. Même cousine, il n'y en a pas. Ça, c'était Feu Delphine Konaté. Même cousine en famille, tu n'en as pas. Ça, c'est la seule sœur que tu as. Pour te dire que, pour dire à la nation guinéenne que je suis, j'ai grandi sous tes yeux. On ne va plus te laisser tuer. Au Kadon, on veut l'arrêter comme ça. Oumar Keïta de Kindiala. Ce n'est pas De Gaulle qui était ton aide de camp. C'était Oka qui s'est méfié de toi maintenant. Comme Conakry, Amérique. Tout ce qui peut t'empêcher, tu parles pour qu'on détruise les fils là en Guinée. Pour te donner l'espace vide, toi tu n'as qu'à les prendre, Mamadi. Mais c'est Serouba Konaté. En âme et conscience. Toi tu peux prendre Mamadi devant moi, maman de tous les comptes. Non, tu n'as pas la force là. Même le livre que tu lis à l'heure là. L'art de l'art. Nous, on a dépassé ça. Ceux qui écrivaient pour toi, ça c'était Thibaut Camara. C'est pas toi qui as conduit les élections en Guinée. Tu as beaucoup emmerdé professeur Alpha Condé. Quand ils ont tiré sur Gladys, tu es descendu. Tu es venu trouver Pivi. Pivi a géré le pouvoir. Combien de jours? Tu es rentré. Combien d'heures? Tu es rentré. Tu as pris le pouvoir avec Pivi. Tu as arrêté Moussa Bomoussa Keïta. Tu as commencé à placer tes hommes partout. Tu dis maintenant, allons-y au Burkina. Mais tu ne pouvais pas prendre le pouvoir. On t'a mis là-bas comme président intérimaire. Tu n'as jamais porté ça, président. Général Serouba Konaté. On t'a donné le ticket
président intérimaire. Mais ce n'est pas toi qui as géré. Ce que je dis comme ça, professeur Alpha Condé est témoin. Ce que je dis à la nation Guinée, le secret d'État que je dis comme ça, professeur Alpha Condé même connaît. C'est colonel Traoré, burkinabé, qui a géré les élections guinéennes. Parce que, pourquoi Blaise a fait rentrer? Parce que ses représentants en Guinée. Parce que tu as voulu faire la mafia. C'est colonel Traoré qui a géré les élections. Toi, tu étais là-bas comme pot de fleurs. Ce n'est pas toi qui as donné le pouvoir au professeur Alpha Condé. Mais tu voulais le faire sauter. Tu voulais le faire sauter. Tu l'as beaucoup. Tu as beaucoup emmerdé, professeur Alpha Condé. Quand tu veux de l'argent, tu l'emmerdes, tu passes sur les radios, sur les antennes. Mais chaque fin du mois, ton argent, tu prenais à l'ambassade là-bas, que tu n'as jamais déclaré en France. Même l'argent que le Libanais là te donne, 500 000 dollars chaque le 29, tu ne déclares pas. Tes maisons que tu as vendues à Bruxelles, est-ce que tu as déclaré? Tu n'as rien déclaré. Tout on a affaire. Tu as affaire avec ceci, l'ambassade. Moi, je ne me bats pas avec les femmes. Moi, je me bats avec les hommes. Avec les hommes, vous serez tous éteints. On va vous éteindre. Parce que vous êtes des clans illettrés. C'est comme ça que tu as berné l'Ansana Kouyaté aussi. Tu as anarché l'Ansana Kouyaté, toi et Idi Amin. Tu as pris combien d'argent avec l'Ansana Kouyaté? Que tu vas le mettre au pouvoir. CNRD, ça a été créé ici. Je peux balancer le premier discours que Mamadi Doumbouya a reçu des États-Unis. CNRD, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Que vous avez transformé en un clan narco et cocaïne aujourd'hui. Oui. C'est pour cela que j'ai dit à Mamadi quel effort qu'il a fait pour créer CNRD. Lui-même, il est venu rentrer dans la danse. Oui. Mais il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça sera retiré dans sa main. CNRD partira mal. CNRD n'est pas un gouvernement. C'est un clan cocaïne. C'est un clan vendeur cocaïne. C'est un clan vendeur cocaïne. Qui est femme, qui est homme, sortez et arrêtez. Si vous pouvez, la sanction qui vient. Sortez et faire bloquer. Même ceux qui ont les ONG aujourd'hui, les Américains ne peuvent plus vous financer. Voilà le danger des sanctions sur les pays que vous ne connaissez pas. Qu'on n'a jamais voulu que ça arrive à la Guinée. Moi, je ne serai jamais l'ennemi de mon pays. Mais l'ennemi de mon pays, je vous combattrai jusqu'à ma mort. Tout ce qui ne veut pas voir les Guinéens, les quatre coordinations là, de même mère, même père. Tu es Soussou, tu es Peul, tu es Forestier, tu es Malinké. Vous utilisez, vous ethnies contre les autres pour avoir le pouvoir. Et vous n'aimez pas vos propres ethnies là, je vous combattrai.
J'ai ouvert maintenant mes yeux sur vous. Quiconque, même mes frères de même sang. Le pays là nous appartient. Notre cher pays, la Guinée. Notre pays natal est sacré. Si vous ne connaissez pas, moi je connais. Idi Amin, si vous voulez, prenez toute la Guinée, donnez à la France. Déjà, la France connaît que la CNRD, le CNRD, c'est un clan vendeur de cocaïne. Vous allez mal partir, plus tout le gouvernement qui a quitté. Vous allez même regretter pourquoi Mamadi a donné l'occasion à Amara d'ouvrir ce procès 28 septembre l'an 2009 en Guinée. Vous allez tous le regretter. Quand je vous parle, arrêtez, arrêtez. Vous n'arrêtez pas. Quand je vous parle, arrêtez, arrêtez. Vous n'arrêtez pas. Vous allez comprendre. Ce que vous avez commencé là, le procès là, ce n'est pas le jugement de la Guinée. La caisse là appartient maintenant à la CPI, la haie, où vous organisez seulement la pagaille. Les témoins sont là-bas. Les témoins sont là-bas. Incontestables. La voix des personnes, leur visage, tout est là-bas. Donc, tranquillisez-vous, prenez les cartes, donnez à ceux que vous voulez, en leur présentant que c'est les victimes, c'est les familles des victimes, vous serez tous, ça va vous coûter de la quinine. Donc, c'est ça. Amara, mon flambeau face à toi, c'est ouvert. C'est allumé à partir d'aujourd'hui. Ouragere na ri duro gura nyerama. Mouni famas ko folomaya. O ma meti. Ndanga mene na folo ben na legene passeport diplomatique na ri nyara fi. Photo en ri na kui. Duro gumati yira. Anon kli na ra kui. Akile mara. Le Guinée a passeport diplomate. Ara fala ma américain bi. France kama ya la ma di mo ta na ya la ma bi. Américain na ya la ma. Professeur Ayara Bifola Nanambiri non dima. Yo. Professeur Alpha Konda Ayara Bifola Nanambiri ma. Mais où m'a la soeur? Akour Rone, Nsouma Ouyama. Nsouma Ouyama. Umbaraso. Le groupe qui est allé pour chercher Panival, tu fais partir Serouba. L'assassinat de Panival, tu fais partir. Vous avez découpé Panival, Sama Panival, et le mettre dans le sac de riz. Il y a des choses que je dois dévoiler pour la Guinée. Attendez, on a commencé. Le flambeau là, le flambeau d'Amara. C'est ouvert, c'est allumé aujourd'hui. Mais c'est Serouba, il faut qu'on enlève le rideau pour montrer le vrai visage de Serouba. El Tigre Mouira. El Tigre a fallu maner. Mais El Tigre Mouira. Nari et Magaro, ce se dit, Narema, tu es tout gué d'Adis Bundi. Quand tu as tiré sur Adis, maintenant, vous avez organisé. L'assassinat de Dadis, c'est Dieu qui l'a levé. Maintenant, tu es venu t'encercler par les fils sous. Que tu as toujours, que tu leur élimines aujourd'hui un à un. Oui.
Foka a été intelligent de s'éloigner de toi parce qu'il a compris ce que tu fais, que ce n'est pas normal. C'est la danse là que Sadiba Koulibaly s'est rentré dedans. Oui. Ce qui se passe au palais aujourd'hui, ça c'est entre eux. Les gardes-corps qui sont dedans et les gardes-corps qui sont dehors. Pourquoi Sadiba ne fait pas changer les gardes-corps depuis le dimanche? C'est les mêmes gardes que je vois dehors. Ceux qui sont dans la maison, c'est les mêmes que je vois. Les strappers aussi, c'est les mêmes que je vois. Parce qu'il y a quoi? C'est au bas, tu fais partie de tout. La Guinée ne te connaît pas d'abord. Mouni ma sema. Mais na coup d'état, mais na mouye la fille. Mama dis rouman tanara. Mou tanang bisi enerdira. Yo. Si ndidi. Osana yesu kempune. Mou tanang bina si enerdira. Si enerdi kilang amerikani. Bi. Ngana fana kube. Na bari kabini. Afo bamba guru fi kwa nakili. CNR de barka bini afuruma kan ng bini abarka bini afabaki akani America abaki akani lagini mamadi amayamba manakan kuito amara mayamba manakan kuito kona amara itanon ta so sei lambasi umbara so ginde ni sama lagini. Mais ce que je veux dire, papa, c'est que je veux dire, face maintenant au Nyaoui. Je veux dire, professeur Alpha Condé n'a donc ni yati yati. Et puis, n'a manqué à communiquer yati. Je le respecte aujourd'hui. Benito, Massanta, les Mamoudou Silla, les Fatigné le Diallo, et fils d'Amaro. Voilà des fils que la Guinée doit respecter aujourd'hui. Moutané n'a binyama. Ina me lassini ike walinara. Eux, ils ont montré à la nation guinéenne que leur amour n'est pas pour le matériel. Ils ont aimé le professeur Alpha Condé, ils l'ont aimé à vie. Leur dignité, c'est la Guinée qui a ça aujourd'hui dans leurs mains. Je le respecte. Je tire chapeau pour eux. Oui. Voilà si les kourou mananama. Il n'a rien kourou. Rimina koui n'a rien tout bête. Mais rien tout ma bête koui. Ah, à ma n'y a rien. Alors, à barre qui fanny a fini. Damaro. Nene fatigné lui. Diallo. Mon chéri Benito Massanta, Mahmoudou Matou, Mroubaro Otankoulou la série Namoura. Otan Mobila Mamari, il faut qu'on a ses filles. Mais Ranoutea, Awala Guinéka, Mroufan Otan Tantoumane Nada. Otan Tantoumane Nada. Des patriotes. Mroufan Tantoumane. Il n'a pas la série. C'est la semouna. A quoi n'a suivi de n'a pas eu ma mère à m'aimer. Il n'a pas eu de n'a pas eu ma mère. Mon mari au tantou. Mon roman ou y a sa mané. C'est un air de sa mané. Mais autant. Médaillon sa mané ou comme à la Guinée. Inch'Allah. Ou à la série à ma. Mon bama RPG dit un faouran de n'a rien.
mais médaillon ça m'a né autant comme ou à la série à ma ou manga de maniana ma société l'ambassade n'a pas.